Bon. Oh, ok. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Merci. Attends un peu, je vais ouvrir le jeu. Attends un peu. Très important. Vous savez quel jeu on va jouer, hein? Le meilleur jeu du monde. Best game ever! Attends une seconde. T'es archi riche. Ah ben 20 millions. Ben quand j'ai commencé le jeu, avant hier, j'avais 40 millions. Puis ils ont tout sucé. Jusqu'à la dernière goutte. Là. Je sais plus où me mettre. Là. Je sais plus où me mettre pour que vous voyez tout. Je sais plus. Regarde-moi donc. Transformer. Flip horizontal. Hey! Voilà. Je suis tournée de bord. It's perfect. J'ai les cheveux mouillés. Parce que j'ai pris ma douche juste avant. Parce que c'est bien important. Faut prendre sa douche. Pour jouer à ce jeu. Ah, à part ça, bonjour. C'est Kaki. Avez-vous votre café? Moi, j'ai le mien. Attends un peu. Voilà. C'est un métier que je l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est très important que vous voyez absolument tout l'écran pour pas que vous en manquiez une miette. Parce que c'est pas vrai que je vais vivre ça tout seul. Il faut que je vive ça avec des gens. Sinon, je vais finir en psychiatrie. Bon. Mon amour, Nim. Si beau. Merci, Pikachu, d'être là. C'est très important pour moi. Je vais devenir une femme grâce à ce jeu. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai pas une femme. Tant que j'ai pas fini ce jeu. Bon, je vais juste aller voir... Ben, je vais commencer par... Oh mon dieu, mais je sais pas par quoi commencer. Ah, oh, c'est vrai, lui, il veut des outils à 80 000 piastres. Oh my god. Ouais, 85 millions la boîte d'outils. Je sais pas ce qu'il va faire avec ça. Je sais pas ce qu'il va réparer. Il va peut-être réparer les lambeaux de mon arme. Je devrais faire quoi d'après toi? Tu devrais-tu m'occuper de mon cheval? Parce que je veux bien aller cliquer sur mon cellulaire et voir enfin... Cette image de cachou pour laquelle j'ai attendu 24 heures, m'avancer dans d'autres choses en attendant. Je rappelle, un petit rappel, c'est un jeu de stratégie. Ok, cachou! Ok, go! Ok, je suis là, parfait. I'm not sure, je suis pas sûr que cette photo est flatteuse, mais la voici. Oh, oh, il est triste. Mais pourquoi? On dirait qu'il va pleurer. Mais il est encore dans la bibliothèque. Mais c'est sûr que là, j'avoue, la troisième photo, je m'attendais à ce qu'elle... Parce que dans le fond, il y a trois photos. Il y en a une troisième. Malheureusement, ce sera pas une photo de lui tout nu, je pense. Ok, soit j'ai dit qu'il est hot, ou j'ai dit qu'il pourrait être un modèle... Un mannequin. Je pense que les deux vont avoir leur effet. Je vais dire qu'il est hot. Oh, je suis la première personne à lui dire qu'il est hot. Ben... Peut-être que si tu traînais pas tout le temps dans la bibliothèque à lire des livres de cul, peut-être que quelqu'un te dirait que t'es cute. Oh, je suis sa personne préférée maintenant. Parce que j'ai dit qu'il était beau. Tu sais, pour quelqu'un qui fantasmait à propos de toi, t'es étrangement supportif. Oui, je sais. En fait, le jeu me donne pas le choix, Cachou. Do you get a lot of people texting you? Non, t'es le premier, Cachou, qui me texte. Mais tu sais, je t'avoue, Cachou, que mon cellulaire me donne des réponses préfaites. Parce que si c'était rien que de moi, comme j'ai dit, j'aurais juste répondu « Va chier, grosse merde », puis je t'aurais plus jamais parlé. Oh, Cachou, t'es cute, et maintenant je fantasme à propos de toi. Let's go, Cachou. De toute façon, je l'ai dit, j'ai rêvé à lui toute la nuit. C'est pas vrai. Ah, Cachou. Mais là, Cachou, là, faut qu'il étudie. Qu'il étudie quoi? Le Kama Sutra? Are you into yaoi? Oh, did you know that? Mais il va me ruiner. Attends un peu. Ok.
comment il fait pour prendre un popcorn puis l'amener dans sa bouche. Hein? Comment il fait? Bon. Cachou. Ah, c'est vrai, il y avait une question à me poser. Oui. Et après, je pourrais te demander quelque chose. Si ça te tente. Alors, let's go. J'ai plein de questions pour toi, Cachou. Ben, j'ai déjà ton numéro de téléphone. C'est déjà pas pire. Mais j'aimerais avoir ton adresse pour envoyer la police chez toi. Ah oui, les animaux. Les fameux animaux que j'aide à revenir humain. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, Cachou, c'est vrai. Doing magic, je m'excuse, mais je fais pas de la magie. Je fais de la polygamie. C'est pas la même chose. As it turns out, magic is real. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai partout. Ben, sérieusement, là, c'est pas de l'amour, là, ce que je fais là. C'est pas de l'amour, là. Ok, qu'est-ce que je vais demander? Une autre photo! Je veux une autre photo, je veux quelque chose... something more risqué! Là, je l'ai dit, si j'ai pas une photo de lui tout nu, j'aurais un squid. Mais là, j'en ai d'autres. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça... pour avoir les autres. Ah mon dieu, il y a dommage du monde qui vont me texter! J'espère que ça va être des conversations tout aussi awkward qu'avec Cachou. Mais c'est fantastique! J'ai ben trop out. Ah, je veux le voir dans le carnaval. Oh, il s'ennuie. Il a encore sa face de cul. Oh fuck, 271 secondes. J'ai pas pensé à ce que je faisais, moi, là. Je suis un barista. Oh mon dieu, les baristas, ça fait ça toujours. La carafe de café sur la tête. Oh oui, j'ai vu ça. Je vois souvent dans des cafés. Ça arrive tout le temps. C'est permanent ça? Oh mon dieu. Mais ça va aller bien plus vite si je fais ça. Ah, pour 2 piastres, je peux les entendre parler. Ben là par exemple. PayPal. Je vais payer 2 piastres. 2 piastres, je peux payer. Je vais payer 2 piastres. 2 piastres. Pour qu'ils puissent me parler. J'ai besoin. J'ai besoin de les entendre. Bestie, ils vont me parler. C'est fantastique. Ah, faut que je change les... Attends un peu. On va baisser la musique. On va augmenter la voix ici. Bam! Oh, look at me! I've got regular old fingers instead of huge talents. Can't have got my normal junk back! Ah, ils parlent tout. Oh, wow! Non, mais hey! Ça vaut le 2 piastres quand même. I feel like going into the salon and just telling them to F my ass up, you know? Challenge them to increase the crazy going on up there. Toi, ta voix m'énerve. J'en reviens pas que je viens de gaspiller 2 piastres juste pour entendre les voix. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vu que Cachou est parti prendre la meilleure photo de sa vie, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Hey, Anon! I'm a lemur. Maybe excuse. Non. Non, 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 tu peux pas. Excuse. Je vais l'amener dîner. Ça prend juste 10 secondes. Il mange du pain puis il regarde son cellulaire. Greater achievement of mankind than unlimited free bread? Ta gueule. Mais pourquoi? Pourquoi tu trouverais ça si cool que le pain soit gratuit alors que tu payes pas? C'est moi qui paye. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le pain soit gratuit? Tout est gratuit pour toi. Tu payes rien. C'est pour ça que j'ai pas trouvé l'amour. Parce que je suis pauvre. Lui, c'est un gamer. T'es pas obligé de me parler de comment tu vas aux toilettes. Ceci dit... Ah, ta gueule. Il trouve que je parle beaucoup. Ta gueule. J'ai payé pour que tu me parles, mais pas pour que tu me dises de la merde. Oh, il prend des photos, des petits poissons.
Ça tente pas de passer du temps avec moi, place. Bon, j'essaie de me rendre à Frenemy pour avoir un texto. Un autre texto, un autre cachou. Pam, 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 pam. Je vais regarder encore la deuxième photo de cachou. Ah, attends! Wait a second! Pourquoi sa ceinture est détachée? Non, t'as peu, là. On va parler de ça, là. On parle d'un gars qui est dans la bibliothèque de son université, qui lisait un livre érotique. Puis il est dans la bibliothèque avec sa ceinture détachée. C'est louche en Christ. Plus je parle à ce gars-là, moins je suis à l'aise. On est des amis. Ben, j'ai reçu un nouveau texto. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Oh, ta gueule. Oh mon dieu, ta gueule. Ok, j'ai un nouveau texto de Ferris. Je sais pas c'est qui. Hello, je m'appelle Ferris et je suis un représentant du Customer Service à Crop Corp Incorporated. Ah mon dieu, mais il y a un questionnaire pour moi. Bien sûr! Bien sûr, Ferris. Il pense qu'il va perdre sa job si je réponds pas à son sondage. Go again. Ta gueule! Arrête de parler! Parfait, le sondage. C'est beau. C'est excitant. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans? Un sondage? Si je complète ce sondage... Il va se qualifier. Oh, il va pouvoir avoir le. Mais je m'en calisse. Il va avoir une nouvelle chaise. Mais je m'en crisse. Ah, juste une question rapide. Est-ce que t'es un animal parlant? Ah, oh, mais t'as un autre maître qui parle. Oui, oui, oui. Il s'appelle Ferris. Il veut me faire un sondage, mais il me pose pas ses questions. Il va m'envoyer une photo. Ah, c'est ridicule. Ok, je t'explique, Pikachu. Il m'écrit. Il me dit bonjour, je travaille pour la compagnie Crop Cop Incorporated. Je t'écris parce que je veux que tu passes un sondage. Il trouve ça excitant, puis là il est content parce qu'il va avoir une nouvelle chaise. Puis là, il va m'envoyer une photo. Genre, ça n'a aucun sens. Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Genre, qui fait ça? Qui va me contacter par texto pour me faire passer un sondage, puis m'envoyer une photo de lui? Ah ben ouais, je vais dire qu'il est cute. Tant qu'à y être. Il me demande combien... Hein? À quelle fréquence que je mange? Ben, comme tout le monde, là, je mange quand j'ai faim. Je sais pas quoi te dire, mon ami. C'est quoi ce sondage? C'est un faux sondage. Ce gars-là, c'est un scam. Veux-tu que je suis familier avec le concept de la nourriture? Mais femme ta gueule, pourquoi j'ai payé pour ça? Je regrette. Bon, on va aller dîner 20 fois. Il mange son foin. Il est bien heureux. Je commence à être pauvre. Fait que là, lui, c'est ça. Il me retarde dans 12 heures. C'est dommage. Cette discussion n'était pas awkward du tout. Pendant qu'il me posait ses questions pour son sondage. Il m'expliquait que à quel point ses collègues étaient de la marde. Genre, tu peux pas faire ça pendant que tu travailles. Ça a pas de bon sens. Je suis déçu, Ferris, il m'a pas parlé longtemps. Qui fait ça? Je sais pas quoi penser de tous ces gars qui me textent out of nowhere. D'ailleurs, il m'a pas dit où il a trouvé mon numéro. Il l'a peut-être trouvé dans un livre cochon. Là, faut qu'on parle, Kelby. Faut qu'on parle parce que je t'amène dans un restaurant qui coûte 36 000 piastres à chaque repas. Tu peux pas venir habiller comme ça, là. C'est aberrant la manière que tu t'habilles. Tu peux pas t'habiller comme ça tous les jours. J'ai besoin de deux autres diamants. I want diamonds! Pourquoi moi, faut que je dépense tout cet argent-là? Eux autres, ils me donnent rien. À part des photos d'eux autres. Presque tout nus. C'est un peu de la prostitution, cette histoire-là!
Je sais pourquoi je vais toujours à ce restaurant-là. C'est le seul restaurant de la ville qui accepte de servir des animaux à la table. C'est pour ça que ça me coûte cher demain. Oh my god. Je suis présentement. J'ai pogné le fixe sur le. Je sais pas. J'étais comme. Plus là. Excuse-moi, je m'étris là. C'est pas que t'es ennuyant là. Mais c'est un peu ça. Mais c'est terriblement ennuyant comme jeu. Tu peux pas genre juste rester devant le jeu puis attendre comme que je fais là. Ça a pas d'allure. Ow! Oh my god. Ça y est, ça commence. On va essayer de désavancer le plus que plus possible. Après ça, lui ça va prendre une heure. Hey! On est quasiment rendu au bisou. Ta gueule! Shut the fuck up! Il me reste juste 28 000 $. Je suis vraiment rendu pauvre. Ça veut dire qu'il faut que j'attende 2-3 jours avant d'en faire un live. Parce que j'ai pas assez d'argent pour m'avancer. Je vais aller voir si. Ah, j'ai l'âge pis tout. Hey, je me rappelle, Nim, on se demandait s'il avait 18 ans. Ah, il a 20 ans. Mais il a pas l'air d'avoir 20 ans, je m'excuse, mais il a vraiment l'air d'avoir 15-16 ans là. Ouais, sûrement Vogue s'il a. Ta gueule. Vogue s'il a 22 ans. Vox est mannequin. Quoi? Tu peux pas être mannequin et avoir une face de cul tout le temps. Bon. Kelby. Ben. 21. C'est un athlète. M'en doutais. Il a 24 ans. C'est un hédoniste. Un hédoniste. C'est un travail, ça. Hédoniste. Adepte de l'hédonisme. Oui. Ça, je savais. Mais l'hédonisme, c'est la doctrine qui prend pour principe de la morale, la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. C'est pas un travail. Ensuite, Anon, lui, il a 21 ans. Garrett, il a 23 ans. Ben, ils ont tous 20 ans, finalement. C'est un bûcheron. Puis Dimitri. 27. Ah, oh, c'est le plus vieux. Est-ce que je vais être obligé de streamer dans une pièce fermée? Je vais-tu être obligé de t'enfermer quelque part pour pouvoir streamer tranquille? Non? Il dit non? Est-ce que... Il dit non? Alors là, tu fais ta sage, là. Parce que tu sais qu'il y a du monde qui te regarde, hein. Ouais, c'est ça, je pensais. C'est ça, je pensais. Donc, Dimitri, à 27 ans, c'est celui-là qui serait plus. Il serait plus de mon âge, mettons. Il est barista. Ce qui est très bien, j'adore le café. Je vais aller là. Bon, maintenant que je continue de jouer là. Je laisse ma caméra là. Ah ben, tu t'en vas là. Sérieux. T'as vraiment l'air d'une esti de petite Chris là. Est-ce que je vais faire là? On va mettre la caméra comme ça là. Ouais, dans mon dos. Puis on va attendre. Je joue à mon jeu, je fais rien de spécial. Ah! Ow! Mais tu me fais mal! C'est abominable!
Oh my god, Stitcho. Voyez-vous ces griffes? Ces grosses griffes qui me rentrent dans le dos. Allô? Tout le monde t'a vu, là? Ouf. Oh, je suis sûre que je suis en train de saigner. Je l'ai-tu dit que j'avais du plaisir? Je sais pas si c'est l'éclairage qui fait ça, là. Mais... il a l'air fou. Tu sais, t'en regardes ses sourcils, puis son sourire, puis il y a quelque chose de malsain. Il fait peur. Fantastique. Fantastique. Oh oui, c'est fantastique. Fantastique. Oh oui, la rue est fantastique. Ce soir. Après ça, il va me rester à lui donner des lunettes de soleil. À 4 millions de dollars. C'est genre... insupportable d'avoir autant de plaisir. I can't take it anymore. Y'a me take de say. Senpai! J'ai trouvé qu'est-ce qu'elle faisait. Elle est allée chercher un jouet. Tu veux que je te lance? T'es donc bien cute. Tiens. Oh! Elle a trop d'énergie. C'est pour ça qu'elle est tannante. Attends, je te l'envoie. Wouhou! À l'autre bout du salon! Je l'ai envoyé, répète. Tu m'as pas vu, mais je l'ai lancé. On va le chercher. Parce que moi, je vais pas le chercher. Wouhou! Ah, sérieux? C'est pas un chat que j'ai, c'est un chien. Wanna snuggle up and watch a chick flick? Je déteste. Je sais que tu veux flirter, là, avec lui, là, mais les films de filles, là, les films romantiques, je déteste. Si tu veux vraiment me séduire, là, amène-moi voir une comédie. Ou mieux encore, un film d'animation. Let it go! Let it go! À la limite, là, j'aimerais mieux voir un film d'horreur qu'un film romantique. Puis j'aime pas les films d'horreur. Il m'a laissé un steak dans ma boîte à mal. That's not appropriate. Il veut me regarder. Il veut s'asseoir dans un café, pas avec moi, mais vers moi, puis me regarder pendant une heure. C'est quoi qu'il dit là? Ben non, Nim. On va s'aimer pour toujours. Il n'y a personne d'autre qui va t'embrasser. Juste moi. Nobody else. You're mine. J'ai quand même gaspillé plus de 40 millions de dollars pour toi. C'est pas pour me laisser. Je suis rendu à 172 000 $. J'ai toujours pas assez d'argent pour y acheter ses lunettes de soleil. On pourrait payer la moitié au moins. Tu sais, 50-50. 50-50. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux. Du plaisir. Pour en allumer les feux et laisser dans un soupir quelques gouttes de plaisir. Kelby, il va falloir qu'on parle. Je pense que je suis allergique à tes plumes. On a le COVID. Non, heureusement. Mais si tu veux, je peux faire un test COVID live. J'ai un auto-test avec moi. Non, ça vous tente pas? Ok. C'est bien dur de trouver quelque chose à dire dans un jeu où il se passe absolument rien. La 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 la. 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 Arrête de laisser des steaks dans ma boîte à mal. Bon. On fait-tu la liste de tout ce qui m'énerve dans ce jeu-là? Premièrement... tout m'énerve. Bon, en même temps, c'est un jeu gratuit. Là. Je pourrais me faire une liste de ce qui m'énerve pas. Je joue aux Sims en même temps. Legit, c'est ça que je devrais faire. Tu sais, Pikachu, c'est pas comme s'il y avait vraiment... il y a pas vraiment d'histoire logique dans ce jeu-là. Tu sais que tu suives pas, c'est normal. Mais là, 8, c'est-tu parce que j'ai 8 gars? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, je n'ai juste 7. Ben là, juste 7. Faudrait quasiment que je compte les boyments que je fais pendant le jeu. Parce que je m'ennuie.
je m'ennuie, j'ai vraiment pas de plaisir là. Je ferai une sieste en même temps là. Ah oui. Il y a comme une partie de mon âme qui a quitté mon corps. Le problème du jeu, c'est que des fois, c'est super drôle. Ouais, c'est ça, c'est super drôle. Mais après, entre les moments où c'est super drôle, c'est long. Mais on s'entend que c'est pas le seul problème du jeu, là. Mais non, c'est ça, là. On s'entend qu'il y a plusieurs problèmes de comportement dans ce jeu. Je vais checker mes messages en même temps. J'ai jamais joué à un jeu où il se passe à autant rien. Genre, c'est limite pas un jeu. J'ai faim. Y'a pas un des gars qui pourrait me donner un sac de chips. Ils vont me laisser crever de faim. Puis après ça, ils vont se partager mon argent. Let's kiss! Mouah, il a dit. Il mange des pokies! Il mange des pokies! Il veut mille et une pizzas. Ils vont mettre ça où? As-tu fait la grosseur qu'il y a? Bon, viens dîner. Kawaii dessiné! Il veut te dépouiller. Ben oui, mais ils veulent tous me dépouiller, comme je t'ai dit. À minute que je vais décéder, à un moment donné, je vais décéder d'ennui. Non, pas dans la nuit, mais d'ennui. Ils vont se repaître sur mon cadavre et me dépouiller de tout mon argent. Ça doit tellement être long pour toi. Hein? Ben, ça fait 2h30, là. C'est l'enfer. Genre, l'enfer est pavé de ce jeu. Genre, t'arrives en enfer, pis t'es obligé de jouer à ce jeu-là. Bon. Ça suffit, là. Là, ça suffit le liaisage. On a vu Cachou. Avec sa ceinture détachée. Je continue à dire que c'est très awkward que sa ceinture soit détachée. À moins qu'il... Je veux dire... Pourquoi tu mettrais une ceinture si tu l'attaches pas? T'es en rayette, mais en pas, là. Donc, il aime ça mettre une ceinture puis la garder détachée. Ou il vient de la détacher. Peut-être qu'il a oublié. Moi, je pense qu'il a très, très envie de me montrer son pénis.